Good morning, allez, Eden, tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Chayin, Orbe, Ben Fortuné, Mazal, et Yedida Batester. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Kritout, Perek, Aleph, Mishnah Bet, Al Elu Chayavim, Al Zdonan Karet, Veal Shigegatam Chatat, Veal Lo Oda Shelaen, Hasham Talouy, Chutz, Minametame Migdash Vekodashav, Mipene Shehu Beole Veyoreb, Livré Rabbi Meir, Vachamorim, Afa Megadef, Torah Chat, Mishnah qui vient conclure la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on avait découvert qu'il y avait 36 interdits de kritout dans la Torah. 36 fautes pour lesquelles, si on les transgresse consciemment, qu'il n'y avait pas de témoin, alors on est chayav karet. Ça implique de mourir par le ciel, avant son âge, ça implique... d'accord ? Et s'il y avait des témoins, parfois on est condamné à mort ou pas. Maintenant, excuse-moi. Il y a sur la. Maintenant, une fois qu'on a, évoqué donc, toutes les avérotes sur lesquelles on est passible de Korban, on a notre Mishnah qui commence à me dire sache que sur tout cela, Al-Elou, sur tout cela, qui n'est pas en réalité tous, parce qu'il y a trois exceptions à la règle, mais en tout cas sur la plupart de cela en réalité, Chayavim al-Zdonan Karet, on est passible de Karet si on transgresse ses fautes consciemment et sans témoin. Ve'al shigegatam chatat, et on est passible, on est chayav d'apporter un korban chatat, un korban expiatoire, si on a transgressé faute, be'shibishgaga, sans faire exprès inconsciemment. On ne s'attendait pas, on a manqué de faire attention, et suite à ça, on a transgressé. Par exemple, Shabbat, c'est le cas le plus simple, et on a un long bartendra qui explique, pour une petite différence d'une de l'autre, Shabbat d'abord c'est le cas le plus simple, ça arrive à un peu tout le monde, on a oublié que c'était Assour, on a oublié que c'était Shabbat, on s'est levé inconsciemment, on était un peu dans la lune, fatigué, et puis on a allumé la lumière, donc on a transgressé, on est chayav d'un korban chatat. Il y a la même chose aussi avec les harayot, avec toutes les sortes d'incestes, eh bien il faudra parler d'un cas où il s'est trompé, il pensait que c'était sa femme, c'était quelqu'un d'autre. Et il y a le cas aussi de Avodah Zara, alors... On peut parler par exemple du cas de Avodah Zara, que par exemple, vous savez que l'Avodah Zara, il ne fallait pas faire de sacrifice, mais il ne savait pas qu'il fallait que cette chose-là l'ait interdite. Le Bartonor, il insiste beaucoup, il rapporte la Gemara en fait, que il faut nécessairement, pour être passible d'un Korban Khatat, il faut nécessairement savoir que l'interdit n'existe, mais ne pas savoir quelques détails. Par exemple, je sais qu'il faut faire Shabbat, mais je ne savais pas que Shabbat, on n'a pas le droit de presser une éponge lorsqu'on est sur une table. Donc là, je connais Shabbat. Mais si quelqu'un qui a jamais entendu parler d'un interdit, quelqu'un qui a jamais entendu parler qu'il y avait un interdit de Avodah Zara, un interdit d'inceste, il n'a jamais entendu parler, dans ce cas-là, il n'est pas passible d'un korban du tout, parce qu'il s'appelle Anus. C'est une marque loquée dans la Gemara. Bartonora, il va ici, il rapporte, il commente la Mishnah, selon l'avis qu'il pense que celui qui pense qu'il est Anus, que... Il était complètement, malgré lui, la transgressé parce qu'il ne savait pas que c'était interdit. Il n'a aucun reproche. D'accord ? Maintenant, on a vu que la Mishnah continue en disant « Ve'al lo hoda shelaen hasham talouy ». Lorsqu'il ne sait pas ce qu'il a transgressé, il devra apporter un korban hasham talouy. Hasham talouy, c'est très intéressant, on aura l'occasion de le découvrir plus longuement dans les prochains prakim. C'est un korban que quelqu'un qui transgresse une avéra, il faut qu'il sache, même s'il le fait inconsciemment, il s'attire des problèmes sur lui. Min ha-shamayim, du ciel, on lui reproche quelque chose. Il doit nécessairement apporter un korban. Maintenant, tu ne sais même pas est-ce que tu as transgressé un korban ou pas, est-ce que tu as transgressé une avéra ou pas, sache que pour le moment, min ha-shamayim, du ciel, il va avoir des galères, il va avoir une vie plus compliquée, il va avoir des épreuves, il va être éprouvé, reproché. Il a des issourim qui doivent lui venir. On transgresse une avéra, forcément, il n'y a plus la... D'accord, ça peut être expliqué de plusieurs manières, mais en tout cas, il n'y a plus la Shgacha d'Hachem, elle l'accompagne plus. Il a un problème et il va forcément avoir des Yissourim. Pour se faire protéger des épreuves, pour se faire protéger de ces Yissourim, alors, lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a transgressé ou pas? Le cas classique, il y avait deux morceaux de graisse. Une qui était une graisse interdite, une qui était une graisse permise. Il a pris une des deux, il n'a pas fait attention. Il l'a mangé, il ne sait pas laquelle il a mangé, puis après, celle qui est restée, elle est partie à la poubelle. Il n'a aucun moyen de savoir est-ce qu'il a transgressé ou non. Il ne pourra plus apporter un korban khatat. Dans ce cas précis, la Torah elle a dit, ben, tu sais quoi, tu peux apporter un korban hasham talouy. Il faudra apporter un korban hasham qu'il va permettre de suspendre les épreuves.
Le Bartholomé, il explique comme ça ici. De, pour le moment, le temps qu'il sache, est-ce qu'il a réellement transgressé ou pas. Et ça lui permet de lui... Megina lav mina isurin, il écrit le Bartholomé. Ça va le protéger des isurim, des épreuves qu'il aurait dû endurer. Ok. Chaque fois que l'on doit transgresser un korban, que l'on transgresse une faute sur laquelle on est passible d'un korban khatat, si on est inconscient, et on a un doute, est-ce qu'on l'a transgressé ou pas, alors on pourra porter un korban Hacham Taloui. D'accord. On apprendra ça longuement, Bezant Hachem, en plus en détail. Il faut quand même avoir un doute, mais un doute qui est plus ou moins fondé, qui avait le choix entre deux possibilités, qui avait deux femmes, une c'était sa femme, l'autre c'était sa sœur, ou d'autres, d'accord. Et il ne sait pas finalement avec qui il a fait l'action. Alors dans ce cas-là, il faudra porter un korban Hacham Taloui pour le moment. Jusqu'à qu'il sache qu'il a transgressé la Vera, qu'il soit sûr qu'il a transgressé la Vera. Lorsqu'il saura qu'il a fait la Vera, alors il devra ensuite apporter un korban khatat. Maintenant, la Mishnah continue en me disant, sache qu'il y a quelques exceptions à la règle sur lesquelles tu ne pourras pas apporter de Hacham Taloui, qui sont Chus Minamitam et Mikdash Vekodashav, Mipeneshu Beole Veyored. Parmi la longue liste des gens qui devaient apporter un korban khatat, on en avait évoqué deux qui étaient, parmi toutes les critoutes qu'on a évoquées dans la première Mishnah plutôt, on a évoqué deux qui étaient particuliers, qui sont Metame Mikdash et Kodashav, celui qui rentre au Metame Mikdash alors qu'il avait une impureté sur lui, il a touché quelque chose d'interdit, quelque chose d'impur, et puis ensuite il est rentré au Metame Mikdash, ou encore il a touché quelque chose d'impur et il a mangé quelque chose, un Kodesh, il a mangé un morceau de Shlamim, alors qu'il avait une impureté sur lui. Pour cette faute-là, on est passible d'un karet, si on était conscient. Et si on l'a fait inconsciemment, alors la Torah nous a dit certes d'apporter un korban khatat, mais un korban khatat spécial, qui s'appelle korban olé veyored. Olé veyored, on a déjà eu l'occasion d'évoquer, c'est la Torah nous a laissé la possibilité que si tu n'as pas les moyens d'apporter un korban, tu pourras apporter un korban de qualité moindre. Soit tu apportes un ovin, un mouton, enfin qui se bat au Seira, qui... Ouais, une brebis, soit tu pourras apporter, et si on n'a pas les moyens, alors il pourra apporter, selon le cas, des torim, benayona, de la volaille, ça coûte moins cher. Puisque il a la possibilité, donc c'est un korban khatat spécial, c'est un korban khatat olevé yored. Pour ce type de korban khatat, alors la Torah n'a pas laissé la possibilité de substituer le doute par un korban Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est que lorsque c'est un vrai khatat, mais lorsque c'est un khatat, Olevé Yored, alors lorsque tu as un doute, est-ce que tu as transgressé ou non? Par exemple, il y avait un morceau de Kodesh, tu avais une impureté, tu étais impur, c'est sûr. Mais il y avait deux morceaux de viande dans deux assiettes. Un c'était un shlamim et l'autre c'était la viande tout à fait normale. Et tu as mangé inconsciemment sans faire ça, tu ne sais même pas laquelle tu as mangé, tu ne pourras pas apporter un korban Hacham Taloui. D'accord? Divrei Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Et la halakha est retenue sur ça. Chachamim continue et nous ajoute, il y en a un autre aussi qui ne pourra pas apporter un korban khatat du tout, qui est le Megadef, celui qui blasphème. C'était l'un des derniers qu'on a évoqué, je crois, dans la Mishnah précédente. Il y avait le Megadef. Ouais, c'était pas le dernier du tout, c'était le premier après les cas d'inceste. Après l'anida, il y avait un Megadef vers Oved Avodazra. Megadef, c'est celui qui va blasphémer, qui va maudire, faire le contraire de bénir Hachem. D'accord? Toujours, on appelle ça, partout, on appelle ça dans la Torah, Birkat Hashem, qui bénit Hashem. On n'a pas envie de mentionner ce maudire, quoi, en collant le nom d'Hashem dessus, donc on dit Birkat Hashem. Mais en fait, il fait le contraire de Birkat Hashem. La Mishnah m'enseigne maintenant en me disant, sache que celui qui va blasphémer, eh bien, il ne pourra pas apporter de korban khatat. S'il a blasphémé, Beshogeg, il ne savait pas que c'était si grave de dire ça, il avait... d'accord? Il a inconsciemment transgressé l'interdit, il a voulu dire quelque chose... Il a voulu dire quelque chose de pas tellement joli, mais il s'est laissé un peu emporter en s'oubliant, il a oublié que c'était si grave l'interdit, et là, du coup, il a été Megadef. Eh bien, il ne pourra pas apporter un korban khatat pour se faire expier. Pourquoi? Chez Neymar, comme le dit le verset, « Torah khat yelachem la ose bijgaga » Il y a un pasouk qui me dit sur le korban khatat, on est dans Parashat Bamidbar, c'est là-bas on parle du korban khatat spécial de la Avodazara, en fait, mais ça revient au même. La Torah me dit, Torah achat yelachem la ose bishgaga. Tel sera le statut de celui qui fera bishgaga inconsciemment. La Torah a insisté en me disant, la ose bishgaga, celui qui fait. Et de là, je déduis, yatsa megadef, exclut de là le megadef, celui qui blasphème. Pourquoi? Shenu ose maase, car il ne fait pas d'action. Il blasphème que par la bouche, uniquement, par la parole. Ça manque
d'action, la Torah l'incitait de faire une action forte pour apporter un korban khatat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tu, Salam.